nous tous, que vous voyez, militaires autant que nous sommes, c'est pas que c'est toujours rose. Mais on surpasse tout pour l'intérêt de la patrie. Voilà. Quand vous connaissez quelqu'un, c'est qu'il ne doit pas avoir de problème. Et vous, vous connaissez tous. Beaucoup sont des anciens, d'autres sont toujours en activité. Il faut que vous arriviez à pousser les jeunes. Vous êtes des ambassadeurs. Lorsque vous sortez pour défendre les couleurs, écoutez, c'est la patrie ou la mort. Et ça se sent. Lorsque tu écoutes l'hymne avant de t'engager dans quoi que ce soit, tu te sens appartenir à une patrie. Tu es prêt à tout donner jusqu'à ta vie pour la patrie. Et c'est ce que vous faites sur le terrain. Beaucoup ne peuvent pas comprendre, et je dis toujours, tous ceux qui sortent et qui doivent défendre les couleurs du Burkina Faso, moi je les mets au-dessus de tout. Voilà pourquoi le milieu sportif, je frappe beaucoup. À chaque fois que les gens partent faire des compétitions et reviennent, je fais tout pour les recevoir, les encourager, peu importe voilà, la situation. Parce que les gens ne peuvent pas comprendre ce que vous vivez. Vous pouvez monter sur le terrain avec vos problèmes personnels, avec les problèmes de groupe, mais je souhaite qu'une fois que vous lancez dans cette bataille-là, que tout le monde laisse son petit différent à côté et puisse s'engager pour la patrie. Je compte sur vous, les anciens-là, pour pouvoir nous créer un football au Burkina. J'entendais souvent ce Charles qui disait qu'il faut miser sur les plus jeunes. Voilà un exemple concret. Alors, je compte sur vous. Proposez quelque chose. Il nous faut de vraies écoles pour faire germer ceux qui vont vous élever demain. Il faut que le Burkina, le drapeau, la flotte partout. Aujourd'hui, partout où vous partez sur la planète, là, on parle de Burkina. Dieu sait ce qu'il fait. C'est le moment et je pense qu'il faut tout donner pour qu'on soit dans cette logique-là. Donc, il peut y avoir des petits différents. Je ne sais pas ce qu'il y a, mais il faut que vous arriviez à vous unir tous, pousser les jeunes là, pour qu'ils puissent atteindre l'objectif. Ceux en tout cas qui sont toujours sur le terrain, les personnes sont toujours sur le terrain, il faut les pousser, les accompagner autant que vous pouvez, les motiver autant que vous pouvez, pour que l'objectif pour la patrie de la puisse être atteint. Le reste, on va gérer ça. Donc je compte sur vous, j'espère que vous allez vous mettre ensemble et créer un grand projet pour que le football de demain là, puisse bâtir quelque chose pour que dans 4, 5, 6 ans, on ait des fruits assez consistants qui puissent vous relever. Voilà, tout ce temps que vous êtes là, partout où vous passez, vous connaissez, qui ne vous connaît pas. Tout le monde vous connaît. Tout le monde cherche à être avec vous. Tout le monde, ceux qui jouent au capteur, veulent devenir comme vous. Donc vous êtes des modèles. C'est ça qu'il faut mettre en tête. Vous êtes des ambassadeurs, vous êtes des modèles. Et je souhaite que vous ayez ça en tête. Et vous ne devez pas flancher. Peu importe. Vous ne devez pas flancher. Vous êtes des modèles pour, que ce soit des joueurs de foot ou non, allez dans les fins fonds des villages. Ils vous connaissent tous. Et quand vous jouez, je vous dis que moi j'ai eu la chance d'être sur le terrain, dans des villages assez reculés. Mais la seule télé qui existe dans le village, quand les talons jouent, ils se rassemblent. Donc vous faites qu'il y ait de la cohésion dans les coins les plus reculés du Burkina. Des gens où la nuit, ils ne savent pas si le lendemain, ils vont survivre. Mais quand Étalon joue, ils font tout pour aller suivre le match. C'est la personne qui a la tête. Donc quand on est dans notre détachement, comme on n'est jamais en vie, souvent on les entend crier, toutes les belles actions ils crient. Nous, on est obligé d'être aux aguets, parce que c'est des moments aussi où les terroristes peuvent profiter pour faire des choses. Mais on est très content quand on voit le village finir pour votre cause. Donc vous entrez la cohésion très loin. Pourquoi entre vous, vous ne pas avoir de cohésion? Peut-être que vous n'avez pas vu certains messages, mais je vous dis que partout au Burkina, les gens vous suivent, ils sont très fiers de vous. Quoi qu'on dise, c'est vrai qu'il y a des moments de défaite, souvent les gens peuvent avoir certains propos, mais c'est l'homme qui est comme ça. Les gens sont très fiers de vous, vous êtes des modèles, vous êtes des ambassadeurs, tous autant que vous êtes. Voilà, je disais que je vais nommer même des gens principalement ambassadeurs du football du Burkina. Partez partout, cherchez la graine, venez semer. On va vous accompagner comme on peut. Bon courage.